Finaliste de la CCEI l'année dernière et champion en titre. Et aujourd'hui, sorti pour une contre Bichard. Qui peut nous mercer pour Grand Etier cette année? Bon, je pense que nous avons beaucoup de difficultés. Nous avons de certains joueurs 4, à commencer par les blessures d'Alvaro, Stewart, et bien jeune, un match que tu as l'impression de manquer à subir. Un match important, nous trouver qu'ils ont flanché. Pareil, comme aujourd'hui, et c'est tout. Comme un jeune veut flancher, nous attendons qu'il y ait un cadre amène l'équipe et nous trouvons un Fabrice Hermann de sortir soulier. À l'anesthésie, nous savons faire ce qu'il nous capable avec lui pour ça on se pousse. Nous mettons les pointus aussi.
ou pas au coin, mais ça fait trop beaucoup pour jouer contre une équipe et sortir pour une victoire contre une équipe qui est bien huilée comme trop bichard. Quelquefois, est-ce que quand il pas fouetté en ne pas préparant la relève à temps? Vous pensez quand c'est un des man l'équipe côté une équipe plus jeune, c'est-à-dire depuis semaine jouer là, faire depuis 6-7 ans j'étais avec nous. Ça montre depuis par exemple Naiko, Darren, Stewart, c'est pas un jeune joueur, un moyen d'âge, quand nous avons 19, 20, 21 ans, c'est la jeunesse qui est là. Alors, ils ont fait un peu de travail, mais bon, quand nous, le staff technique n'a pas fait tout ce qu'il a envie. Mais en fin de compte, c'est ce joueur-là qui a besoin de jouer et qui a besoin de délivrer. Si ce joueur n'a pas de délivrer, pas sous restriction, ni pas à la hauteur, pas pour les résultats. Donc, un dernier match pour cette saison-là et déjà, penser la tête déjà dans la prochaine saison, qui nous va expecter un petit peu de pointier pour la prochaine saison. Oui, voilà, un dernier match, c'est son bon côté. Il y a besoin de dernier match, bien sortir avec les Zoniens, une victoire encore, parce que quand on vient le terrain, c'est bien venir avec une seule chose en tête, c'est avec une sortie avec une victoire. C'est qui compte pour chercher sa faire. On connaît, moral va jouer bien au bas, champion titre, cette fois champion Maurice, nous à tirer en haut du tableau, mais on connaît, mais pour une décision d'entraînement, pour bien travailler ça, on va avoir des derniers matchs dans de meilleures conditions et sortir avec une victoire et comment dire, nous devant pour la saison prochaine. Après 2016, 2017, l'année je passe à côté. Donc 2018 en finale des playoffs, c'est un passe bien mérité pour ton équipe. Bon, d'abord, je félicite mon joueur, mon dirigeant, tout le monde sponsor qui est derrière nous. Aujourd'hui, nous faisons une très belle victoire, notre champion sur le temps. Avant les matchs contre Cardone, je passe un petit peu à côté, il a des sens échapper un premier coup. Mais encore une chance, un build-up, on est venu avec une morale de fer. Et donc, c'est ça qui nous fait la victoire aujourd'hui. Et comment te dire, une marche contre le champion sur autant, autant tu ne parais aussi simple d'une match de sous haute tension aujourd'hui. Qui fait la force de l'équipe aujourd'hui? Non, ce sont les joueurs. Ils ont appliqué toutes les consignes. Quand je donne à fond, toujours une donne à fond, c'est ça qui me fait une victoire aujourd'hui. Donc déjà là, après quelques minutes après cette demi-finale, la tête déjà dans la finale, qui nous peut attendre de Trophy Sharks pour la finale? Bon, pour nous l'objectif principal c'était toujours être champion cette année-ci. Déjà, dès le début, nos motos c'était la reconquête du titre. Un grand match qui attend nous devant. La nouvelle semaine pour avoir le match. Quand il n'y a pas contre nos trobiches cette année-ci.